Bonjour à tous. Pour le bon déroulement de vos classes virtuelles, voici un exemple de règles de bonne conduite à envoyer à vos élèves en amont de la première classe virtuelle. Alors tout d'abord, les règles pour rejoindre la classe virtuelle, donc bien indiquer aux élèves d'inscrire leur prénom suivi de l'initiale de leur nom de famille avant de rejoindre la session et d'indiquer que tout pseudo sera passible d'exclusion. Ensuite, au niveau des moyens de communication, plusieurs moyens vont être à disposition. Tout d'abord, les icônes accessibles depuis leur profil. Ensuite, la communication écrite via le chat à partir du moment où vous avez donné les droits à tous en amont de la classe virtuelle, accessible depuis le panneau Collaborate. Hein, on rappelait aux élèves qu'il suffit de sélectionner l'icône, de choisir la conversation tout le monde, d'entrer leur message et celui-ci sera vu de tous. Enfin, la communication orale hein, qui n'a pas été activée pour tous en amont. Donc, un élève qui souhaiterait prendre la parole, eh bien, il va devoir lever la main. L'enseignant verra la main levée et il pourra depuis son panneau de configuration passer l'élève présentateur. Celui-ci recevra une notification et aura alors accès au micro et à la caméra. Le jour de la première classe virtuelle, il est bon de projeter dans la classe virtuelle un rappel de toutes ces règles avec une diapo. Donc ça donne ça en classe virtuelle. Et puis pour formaliser un peu la chose, demandez aux élèves de valider ce règlement en indiquant avec les icônes et bien simplement qu'ils sont d'accord avec ces règles avant de démarrer votre classe virtuelle.